Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve sur Stellar Blade. Et on va continuer l'aventure principale, on s'était arrêté ici précédemment. Et on doit parler à Adam, pour bouger. Ah, tu es là. Je suis impatiente. Tu es prête à partir ? Oui. Ah, mince. On dirait que le sable a endommagé le moteur. Nous allons devoir marcher. Est-ce que ça te convient, Eve ? Aucun souci. Soutiens-moi avec le drone. Très bien. Tu peux compter sur moi. Je serai là aussi, à tes côtés. Même les recycleurs expérimentés se perdent dans ce désert. Mais nous avons une carte. Ça ne nous arrivera pas. On commence par ça. Et il n'y a pas de courant. Il y a aussi un problème avec ça. Voilà. On dirait qu'il n'est plus du tout alimenté en énergie. Le problème, c'est que la tour solaire est au beau milieu de la tempête de sable. Eve, cherchons plutôt des sentinelles. Elles pourraient peut-être nous aider. D'accord. Ok. On doit aller là. Là, il y a sentinelle. Et c'est un peu sur le chemin de la tour solaire, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Oui, alors ok, je comprenais pas pourquoi la... Pourquoi elle était vénère, la... La Eve. Avec son épée sortie et tout, mais maintenant je comprends. Il y a des trucs dans le sable. Ça manque d'une petite moto ou un truc de ce genre là, ça pourrait être cool. Je sais pas si c'est des ennemis qui sont pas ouf ou si j'ai grave amélioré Eve avec les dégâts qu'elle peut faire. Mais les ennemis ils font pas long feu. Hein. Alors, il y a ça de repérer. Je pense qu'il faut juste le reculer. Je vais peut-être être embêté aussi là. Je peux péter les caisses ou pas ? Non. Celle-là je peux. Hein. Ouais. Là il faut que je passe là.
que j'aille là. Ça doit être ça. Donc maintenant, on a ça, mais ça va pas nous régler le problème. Ok, je suis pas venu là pour rien. J'ai le raccourci. Ah, on y est. L'ange. Tout va bien? Il faut faire quelque chose. Ta blessure a l'air grave. Ça n'a pas d'importance. À vrai dire, j'ai un service à te demander. Je t'écoute. Le capitaine pensait que les tempêtes de sable du Grand Désert étaient une anomalie et a ordonné à nos soldats d'enquêter. Il a formé une escouade spéciale et nous a donné une mission. Nous devions examiner les vestiges de la colonie et les archives dans les ruines. Visiblement, la région est stérile et couverte de sable à cause d'une défaillance du système de terraformation. Il y a une tour au sud. Mais la tempête de sable nous bloque la vue. Nous avons utilisé les drones de service pour redémarrer la tour solaire et alimenter le système. Viens, commençons par te soigner. Ça va aller. On a activé 4 drones de service et on a atteint la tour de contrôle. J'aurais dû me douter qu'un Naitiba féroce traînerait dans le coin. Ceux qui sont restés en dessous de moi sont morts et j'ai à peine pu m'en tirer. L'ange, peut-être que les drones que nous avons utilisés devraient se trouver à proximité de la tour. Active les drones et tu devrais pouvoir alimenter la tour. Si tu y parviens, je t'en serai infiniment reconnaissant. Mes camarades pourront reposer en paix. Très bien. Je m'en occupe. Mais fais soigner ses blessures. Merci. Behemoth. Bref, la tour. Ok, donc je dois aller là. Il y a 4 trucs à réactiver. Et une fois que ce sera fait, on pourra avancer. En théorie. J'y crois. Je vais l'activer même si je peux pas l'utiliser. Peut-être truc un peu bête, c'est que ça s'active pas automatiquement quand on passe à côté. Ça aurait pu être cool ça. Ok, ça c'est bon. Ok, et il faut gérer ce drone. Le châssis de ce drone de service me paraît intact. Il dit qu'il y en a 4. J'espère que les autres sont en état. Drone de service activé. Détection d'un complexe nécessitant une maintenance. Début des opérations. Comment je vais grimper au-dessus? Parce que là, très clairement, comme ça ne passera jamais. Ça m'étonnerait
qu'on soit obligé d'aller tout au bout de la route là. En même temps, est-ce qu'on a le choix? Je ne sais pas. Non, c'était exactement ça qu'il fallait faire. Ali, je vais peut-être le faire après, alors du coup celui-là. Il y en a un là, et après on pourrait faire la tour. Initialisation du drone terminée. Lien de service créé. Complexe proche opérationnel. Et le dernier. Activé. Démarrage. Démarrage complexe nécessitant une maintenance repérée. Départ immédiat. J'ai même pas le temps de me soigner. Pas mal. Bon, normalement, quand je lance une attaque spéciale, t'es pas censé. Fils de pute. Incroyable, quoi. Je me réanime ou pas? Oh, j'utilise la pompe. Ah, j'ai le truc de Tachi aussi maintenant. Tiens, mon gars. Allez, go. Alors j'ai débloqué toutes les techniques de Tachi, hein. C'est le même système qu'avec Eve. Les techniques spéciales avec l'énergie bêta, sauf que c'est l'énergie de Tachi pour le coup. Oh non! Notre vengeance au nom des sentinelles. Bien. Allons finir de remettre la tour en état. Ah !
Tour solaire, statut normal. Reboot réussi. Les camps sont de nouveau alimentés en énergie et devraient fonctionner normalement. Mission accomplie, Mu. Peut-être qu'il a fini par rejoindre ses partenaires. Sans la tempête, les derniers instants de Mu ont dû être paisibles. Que tes souvenirs perdurent pour toujours. Ok, nous y sommes. Et on va se taper un combat avant, j'imagine. Dois-je passer une autre épreuve ? Oui. Aucune exception possible. Bien, ne perdons pas de temps. Allez. Ok, c'est les mêmes techniques. Raté du coup. Ah non, c'était con. Attends, ouais, voilà. J'ai tellement bien géré la séquence là. Je vais enlever tout son bouclier là. T'as changé de procédure, non ? Ah bah dis donc. Les rumeurs disent vrai, étrangère. Cette zone est plus sombre et profonde que la précédente. Surtout, sois prudente. Pas de lame, comme au plateau le voir. Pas de scanner de drone non plus.
Lily, mais tu remplaces Adam. Il est encore occupé à réparer le tétrapode. Ah, d'accord. Je sais que je suis en sécurité avec toi. Ah oui. Ah oui, nous avons un problème. Oui, non. Ah. J'ai pas de balles en fait. Préparer le ventilateur, bah j'en fais rien. Alors si j'ai des balles peut-être, ouais, des chevrotines à la limite, mais quel gâchis. Voilà, j'ai récupéré des balles. Un petit peu au moins. Pas trop quel est l'intérêt d'aller là-bas en fait. J'essaie de comprendre le délire. Parce que c'est juste pour descendre. Ah ouais, bon, à mon avis, c'est ça. Je vais attendre que le truc passe là. Voilà. Ah oui, non, mais je panique. Oh, ok, d'accord, il fait un carré. Ça décale là, je pense qu'il faut sauter là-bas sur... Voilà, sur ça. Oh là 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 là. Pas par là. Ah, je peux peut-être récupérer un truc sur lui. Ah oui, d'accord. Les scies se sont arrêtées. C'est trop flippant ces moments-là, quoi. Tu dois regarder partout. Tout contrôler. Chose doit rôder dans les parages. Oh merde. Oh. Waouh. On est en sécurité. J'ai l'impression qu'on prend trop de risques pour pas grand-chose. Sans déconner. Juste pour un petit costume. Oh. Oh.
va devoir déplacer. Attends, je l'ai entendu. Ça me rappelle le labo de recherche. Il doit y avoir un panneau pour ouvrir la porte quelque part. On dirait que ça a ouvert un conduit d'aération, pas la porte. On va s'en contenter. Mais tu vas sortir le gun, ouais. Non. La porte est désécurisée. Ça fait pas peur, mais c'est un petit peu angoissant par moment, je dois avouer. Je dois aller par où, parce que je vois pas où est cette porte. Ah, elle doit être de l'autre côté, en fait, dans la pièce principale. C'est juste que je l'ai pas vue sur la route, je pense. Genre là, quelque part. Ouais. Ça ressemble à l'endroit qu'on a vu la dernière fois, le vieux labo de recherche. Ça ressemble pas à un labo, on dirait une usine. Il va me considérer en combat longtemps, tu penses ? Parce que c'est vrai que j'ai buté personne après tout. Ouais, tu sais quoi ? Je pense que c'est bon maintenant. Ouais.
comment je fais pour aller là, là-bas, tout simplement. De Naitieba de l'autre côté. Mais on dirait que c'est la seule façon d'aller à l'intérieur. Je vais essayer de déverrouiller la porte. Bon, retournons à la porte. Ok, il y en avait d'autres là-bas aussi, d'accord. Ok, bouge pas. Attends. Hop. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas celui-là. Ah, bouge pas, je vais essayer de changer. C'est ça. Mais non, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas celui-là du tout. Pourquoi j'arrive pas à sélectionner celui que je veux? C'est celui-là. Voilà. Ah ouais. Un peu la merde, ça, je dois avouer. Je suis obligé de débuter. Ah, peut-être un peu. Il est encore dehors? Ouais, les réparations durent une éternité. Je peux voir la sortie de l'autre côté, mais... Ça ne va pas être simple. Lily, allons-y. Cet interrupteur doit désactiver la sécurité.
la température augmente. Du calme, Lily. Je vais y arriver. Je dois couper le système de sécurité pour passer. Ah, super. Là, c'était très très chaud, mais c'est passé. Là, je risque rien. Faut que j'attende que le triple, quadruple même, repasse par là. Ah, mais il repart direct. Ouais, c'est chaud. Ok, sinon, je fais comme ça. Voilà, il est passé. On monte. On monte. Ah non ! Ah là là ! En fait, faut surtout pas toucher au joystick pour bouger si tu veux monter. C'est inconsciemment, tu fais vers l'avant. Et fallait pas. Ok, c'est réglé. C'était vraiment angoissant. Allons vers la porte de l'autre côté. Eve, désolé pour l'attente. Tu veux y aller ? Trop tard, on y est déjà. Quoi ? Comment ? Le système de sécurité n'est pas actif. Adam, tu peux vérifier si on est proche de l'hypercellule ? Une minute. L'hypercellule est après le labo de recherche. Ah non, toute cette aile s'est effondrée. Pas continuer à la nage ? Impossible. L'eau est électrifiée par des câbles à haute tension. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il va falloir utiliser ce qu'on a sous la main. Pas mal. Qu'est-ce que ça fait flipper, laisse tomber quoi. Ah oui. Oui, inconsciemment j'ai essayé de l'attaquer mais... C'est vrai qu'on ne peut pas. Ok, bon moi je débloque le raccourci si jamais je tombe. On devrait pouvoir atteindre l'entrée du centre de recherche avec la corde. Ouais mais moi justement je veux pas ça. Je veux genre ça. Je sais pas trop où je vais, je dois avouer. Oh, tu pars par là. Ah non, pas du tout. J'ai rêvé. Ok, parfait. Ouf. Oh mais c'est pas vrai.
sauter là, ça risque rien. Voilà. Parfait. On va pouvoir se regrouper. Je pense qu'on est bientôt sur la fin. On y est sûrement déjà d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Améliorer l'injecteur. Je prends. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que tu crois que si je fais ça... Ah non, ça marche pas. Ça aurait été trop beau que ça puisse verrouiller la cible en fait. Bien descendu là. Que je pensais. Bien. Jetons un œil à l'hypercellule. L'hypercellule est intacte. J'ai aussi trouvé un héritage. On dirait qu'il a été mis là pour qu'on tombe dessus. Je suis de plus en plus curieux. Voyons ça de plus près. Jetons-y un œil. Jour 78 après la seconde plongée, 8e enregistrement. Héritage de Raven. J'ai découvert d'importantes archives de l'humanité. Une guerre a été initiée par la matriarche, et comme chacun le sait, l'humanité anéantie. Les humains ont cédé leur place aux Androeidos. Les Androeidos se sont proclamés nouvelle race humaine. Soutenus par la matriarche, ils ont fait d'immenses progrès et contribué à l'avancement de l'humanité. Et les survivants, les véritables humains, ont fui dans des complexes souterrains. Certains, dirigés par Raphaël Marx, ont attendu à cet endroit une opportunité pour riposter. Pendant ce temps, les survivants ont évolué au point d'obtenir toutes les capacités pour affronter les androïdes. Le fruit de l'ingénierie génétique et d'une évolution rapide. Des êtres qui ont tout perdu. Tout sauf leur instinct de survie et leur force brute. Voilà ce qu'ils sont devenus. Des monstres. Les monstres que nous combattons. Tels sont les Naitiba. Les Naitiba, c'était des humains. Donc, tous ceux que nous avons tués
C'était tous des humains? J'arrive pas à le croire. Mais cette usine de production est très certainement faite pour des Naitiba. Si les Naitiba étaient des humains, si nous combattons les humains, alors nous sommes... des Androeidos? Est-ce la vérité? Des créatures entièrement créées. Créées par la matriarche. Non! Nous sommes humains. Nous avons un corps fait de tissus liés harmonieusement avec des machines. Les Naitiba sont incomplets parce qu'ils sont uniquement composés de tissus vivants. Ils ne peuvent pas s'adapter à leur environnement ou survivre dans l'espace. Mais... et si notre fonction était de pallier ces imperfections? Alors, pourquoi la matriarche nous cacherait-elle la vérité? Je dois réfléchir. T'as raison. Nous avons besoin d'aide pour comprendre la situation. Je pense vraiment que nous devrions en parler à Orcal. Ouais, bonne idée. Vous êtes là. Excellent travail. Hé, Eve, je vais m'occuper de l'hypercellule. Orcal. Je vois que tu as quelque chose à me demander. Tu as sans doute trouvé la bibliothèque de Levoir. Nous voulons connaître la vérité. Oui. C'est une très longue histoire. Nous sommes assurément des humains, mais ce n'était pas le cas il y a peu de temps. Il est vrai que ceux qui nous ont précédés étaient responsables de la création de la matriarche. Ce que l'on appelle aujourd'hui les derniers survivants humains. Ils nous ont créés, nous, les Androeidos, par le biais de la matriarche. Et pendant longtemps, nous avons vécu en symbiose avec eux. Nous sommes des androïdes. Nous avons été créés. Mais pourquoi la matriarche? La raison est inconnue. Mais la matriarche a fini par prendre une décision. La survie de l'humanité dépendait d'une réorganisation des espèces. De ce conflit est née la guerre. Et la terrible menace de l'extinction des humains. C'est impossible. Ceux qui ont échappé à la destruction se sont dispersés aux quatre vents, mais certains ont réussi à fuir et ont trouvé refuge dans les ruines de Levoir. À l'origine, ce complexe avait pour but de faire évoluer génétiquement l'humanité. Après tout, l'espérance de vie des derniers humains était extrêmement courte. Cet endroit est le lieu de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les Naitiba. Les enregistrements des héritages disent la vérité. Depuis le début, nous sommes en guerre contre nos ancêtres. Mon lien personnel couvre désormais une zone assez vaste. Le prochain Naitiba Alpha ne se trouve pas sur Terre. Alors, que comptez-vous donc faire? Mais tout ça ne change rien au fait que les Naitiba sont nos ennemis. Très bien.
Nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous devons atteindre le nid grâce au noyomètre. Je veux les coordonnées d'une Aitiba Alpha. Comme vous voudrez. À votre retour, je vous raconterai la suite de l'histoire. Ou peut-être vaudrait-il mieux que vous l'appreniez de la bouche du natif ancestral. Ah, tu vas donc partir. J'aimerais recueillir plus d'infos dans cette zone. Compris. Prochaine destination, l'ascenseur orbital. J'ai capté le signal émanant d'un Aitiba Alpha tout au bout. Tout au fond de l'ascenseur? Tu veux dire, dans l'espace? Oui, dans l'espace. L'ascenseur orbital 4 marchait encore, il y a peu de temps. Mais l'atteindre ne va pas être facile. Les Aitiba l'encerclent depuis bien longtemps. Utilisons les données cartographiques pour élaborer un plan d'infiltration. Eve, assurez-vous d'être toutes les deux bien préparées avant de partir. Ok. Bon, bah comme d'hab, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Et il nous reste 3 épisodes, en gros. Si j'ai bien compris le délire. C'est rapide, hein. Merci à vous et à bientôt. Ciao tout le monde.